Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Coucou les amis, c'est Krim, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du pack à la fac qui sort donc le 15 novembre. C'est un pack qui était très très attendu par une grande majorité de la communauté. Sur le papier, c'est vraiment un pack qui promet pas mal de choses, qui a l'air assez abouti, assez poussé contrairement à d'habitude. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le tester, de vous faire découvrir ce pack. Comme d'habitude, on va attaquer par le CAS et s'en suivront bien entendu d'autres vidéos pour vous faire découvrir un maximum de choses de ce pack, vous faire un avis, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Sur le papier, le pack promet pas mal de choses, donc on va voir s'il tient ses promesses ou pas. C'est parti! Comme d'habitude, on va commencer la présentation de ce pack en allant faire un tour dans le CAS pour voir un petit peu quelles sont les nouveautés, les coiffures, les habits. C'est quand même une des parties que je préfère dans les packs, le CAS, parce que j'adore avoir de nouveaux ajouts pour mes Sims. Donc on va aller voir un petit peu ce que ce pack nous réserve. Et on va commencer par les femmes, pour tout. On va aller voir un petit peu ce qu'on a au niveau des coiffures. Donc on a 2, 4, 6, 8, 9 coiffures. Alors on a effectivement des petites couettes en dreadlocks comme ça, très sympathiques. J'aime beaucoup. C'est sympa. Les deux petits kiki dans les cheveux, là. Ça j'aime beaucoup. C'est quand même très, très joli. Très, très mignon. Et ça va plutôt bien, la Sim 7 que j'ai choisie pour cette démonstration. Oh, j'adore. Oh, mais ça lui va tellement bien. J'adore. Je suis fan. Non. Comment dire, la portion de frites dans les cheveux, c'est pas possible, hein. Faut absolument arrêter. Mon dieu. Oh mon dieu. On dirait qu'elle a un animal dans les cheveux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui lui a foutu un poulpe sur la tête. Sérieux. C'est pas possible ça. Faut arrêter. Oh, oh j'adore. Ah, une coupe. Franchement, on n'en a pas beaucoup des coupes très longues comme ça. Et elle est super jolie. Oh, j'adore. Ça aussi, ça fait très. Ça fait très étudiante, quoi. Ça fait... Voilà. C'est dans le thème. On est dans le thème, bravo. Après, on a une queue de cheval tresse. Ça aussi, c'est sympa, dis donc. Oh, une petite queue de cheval, mais c'est pas mal aussi. Ah oui, et on a le retour du poulpe mort. Alors, en une seule couleur, je trouve ça passe mieux. Ça va, en fait. Voilà. On finit par s'y habituer. Sur le coup, ça fait vraiment... mais qui c'est qui a foutu un poulpe sur sa tronche? Et là, comme ça, en uni, finalement, ça lui va bien aussi. Mais bon, ça va pas être ma préférée, je vous le dis tout de suite. Bah écoutez, niveau coiffure, franchement, je suis plutôt agréablement surprise. J'aime beaucoup. J'aime bien côté fille. Qu'est-ce qu'on a ensuite en chapeau? Alors, on a des casquettes. Voilà. Alors moi, les casquettes, j'aime pas. Je trouve ça leur va pas, c'est trop gros. Je sais pas, je suis pas fan des... Mais je suis pas fan des casquettes dans leur ensemble, quoi. Pas celles forcément du pack. Un casque de vélo, hein, forcément. Et ensuite, on a donc l'espèce de petit chapeau là de diplômé. Je sais pas exactement comment ça s'appelle, vu qu'en France, on n'a pas ça. J'imagine, ouais, qui vient alors aux couleurs des deux universités, je suppose. Ouais, voilà. Rouge, ouais, ok. Bon, ben voilà, écoute, on n'y est pas encore. T'es pas diplômé, ma chérie, tu verras plus tard. Au niveau des accessoires, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a les piercings. Donc, on a ça, très bien. Il y a plusieurs couleurs. Oui, il y a plusieurs couleurs. Ok. On a celui-là. Là, on peut pas mettre les deux, par contre. Faut choisir. Voilà, on en a par deux. Ah, on peut mettre des deux côtés, par contre. Ça c'est bien. Ou comme ça, voilà. Là non plus, on peut... Voilà, c'est le même principe. Faut choisir. Il n'y en a pas énormément, des piercings. Ah là, on peut mettre les deux. C'est magnifique. Je trouve qu'il n'y a pas énormément de piercing en fait. Il y en a peut-être plus du coup... non, je pense pas qu'ils en aient mis sur le corps. On est dans les Sims quand même. Mais il n'y a pas énormément de piercing finalement. Alors après, je pense pas que mes Sims auront souvent des piercings, hein, sincèrement. Mais pour la diversité du truc, moi je trouve qu'il n'y en a pas tant que ça. Donc du coup, pas de nouvelles lunettes, pas de collier, voilà, rien d'autre. En termes de maquillage, il n'y a pas réellement de maquillage à proprement parler. Il y a juste en fait les peintures pour se mettre aux couleurs de l'école, quoi.
Donc c'est plus, voilà, pour encourager votre équipe, youhou! Voilà, vive le homard! Du coup, ouais, non, pas d'autres maquillages. J'aime tellement cette coiffure. Mais j'aime tellement toutes les coiffures, en fait. On va aller voir côté, au niveau des vêtements, ce qu'on a comme nouveauté. Donc on va commencer par les hauts. On a première veste. Elle est sympa, celle-là. J'aime bien, c'est classe. Alors là, on est plus dans des sportswear. Ok, oui, il y a plein de couleurs, hein, de toute façon. Ah, ouais, du coup, c'est les vestes de l'université. Ensuite, on a, bah, pareil, aux couleurs de l'université. Je pense qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont un peu siglés aux couleurs des deux universités, c'est normal. Oh, j'aime bien, ça, c'est sympa. Sympa, les couleurs sont chouettes. Oh, j'adore. Ah, j'aime beaucoup. J'adore la forme de ce haut. Il est top, sérieux. Ah, ouais, je suis trop fan. Bah, du coup, ouais, c'est toujours un peu les couleurs de l'université, mais... Ah ouais, il est trop top. Ah, ça aussi. Oh, ça y est, je suis amoureuse du CAS. Ça aussi, c'est sympa, dis donc. J'aime trop les formes des vêtements pour l'instant, franchement. Un petit peu plus rebelle. Bon, alors en rose, ça fait moins rebelle. Mais mais en noir, comme ça faisait plus rock'n'roll. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il est... Oh, oui, je sais, alors je vais pas arrêter de dire « Oh, c'est sympa! Oh, c'est beau! Oh, j'aime bien !» Mais si j'y peux rien, c'est comme ça. Regardez la coupe de cheveux tout à l'heure, j'aimais pas, je vous ai dit que j'aimais pas. Mais bon, quand j'aime, j'aime. Donc, j'aime beaucoup... Oh, c'est trop mignon! C'est trop, trop mignon. Oh non, non, mais j'adore. J'adore. Voilà. Moi, je veux les Sims qui fassent ma garde-robe, en fait. Alors ça, vous voyez, par exemple, j'aime moins. Hein, je vais pas dire que j'aime pas, mais en fait, moins, quand même, hein. J'aime pas, ça monte trop haut, la nous, je suis pas fan. Ouais, ça c'est typiquement un t-shirt que personne ne mettra chez moi à part les PNJ aléatoires, quoi. Personne. Ça, j'aime bien. Si, joli. Alors par contre, l'association des couleurs, moi, j'aurais pas fait ça, mais... Ah, le classique col roulé. Oh, avec les petites coudières en cœur. C'est sur toutes les couleurs? Ah oui, c'est pas toujours en cœur, mais c'est mignon. Ah oui, alors ça, c'est pour faire du sport, c'est quand t'as chaud, mais pas trop. Tu vois, genre, t'as chaud, donc tu mets un petit haut, mais t'as pas trop chaud, donc tu mets une veste. C'est simple. Alors ça, c'est le genre de vêtement, c'est quand même un peu conceptuel, quoi. Ou tu fais du sport, t'as chaud, t'es habillé minimum syndical, ou t'as pas chaud et tu te mets pas un t-shirt qui t'arrive en dessous des nénés. Il faut choisir, je sais pas, vous en pensez quoi? Quand même un concept, ça. Ça doit être américain. C'est pour ça qu'on peut pas comprendre. Alors, petit top. Oh, j'allais dire. Vous voyez, j'allais dire. Oh, petit top, tout simple. Mais non, mais pas du tout. Il y a un petit nœud derrière avec un petit croisillon comme ça. C'est la classe. Oh, ça aussi, c'est mignon. Ça, limite, ça peut faire un peu haut de pyjama ou. C'est simple. Ou même. Enfin, je veux dire, ça peut faire un t-shirt aussi, mais je le vois bien haut de pyjama, tiens. Ouais. Alors, j'aurais bien fait avec un petit nœud là, mais on a peut-être déjà un truc qui ressemble à ça, en fait. Mais une petite veste en jean avec un petit nœud, ça aurait été sympa. Je vous dis, j'aurais dû être styliste ou pas, quoi. Quand on voit comment je me fringue tous les jours, on a envie de. Même moi, j'ai envie de me dire, vas-y, regarde comment t'habiller avant de triquiter. Alors, ça fait beaucoup plus premier de la classe, hein. C'est. Petit côté, je m'assois devant et je souris à la maîtresse. Après, on a un petit sweatshirt à l'ancienne qui va bien. Et un petit haut, un peu t-shirt de sport, genre t-shirt un peu... Non, même pas forcément de sport, petit t-shirt. Bah moi, pour l'instant, j'aime beaucoup celui-là, en fait. Donc, on va lui mettre celui-là. On va voir avec quoi on peut l'accorder en bas. Alors, dans les bas, nous avons un jean. Très simple. Oh, mais c'est vachement... J'adore. C'est trop, trop sympa. Ah, franchement, je suis fan du truc. Il est ouf, le CAS, hein, pour l'instant. Enfin, il est ouf. J'aime tout. C'est trop bien. Ah ouais, non, franchement, c'est super. Ensuite, bon, alors ça, moins. Voilà, bon. Pour faire le sport, pour traîner à la maison, tout ça. Mais le petit côté jogging molletonné, serré sur les chevilles, j'aime moins. Oh, petit baggy qui va bien. C'est vrai qu'elles n'avaient pas de baggy, les filles, ici. Oh, un petit jean, j'aime beaucoup. Ça aussi, c'est sympa. Oh, non, encore un petit jean. Oh, j'espère qu'ils n'ont pas oublié les mecs et qu'ils nous ont aussi fait des trucs comme ça de ouf chez les mecs. Oh, mais ça va trop bien comme ça. Ma chérie, tu es magnifique. Alors là, je suis... Non. Moins. Je comprends pas... Je comprends pas l'idée. Non. Moi, ça, moins. Alors ça, pas du tout. Non. Je suis pas fan de la forme, mais c'est moi après les goûts et les couleurs. Vous savez, je suis sûre que tous les autres, ils ont dit comment c'était trop beau et tout. Moi, j'aime pas. Le côté large qui s'arrête là, en 12 dixièmes, là.
Je sais plus comment c'est le chiffre exact, pardon. Je vous ai dit, je suis pas styliste, moi. Le matin, je prends la première fringue qui vient, le premier t-shirt, je pars comme ça et on est parti, quoi. Je sais pas comment ça s'appelle. Alors ça, c'est sympa. C'est un petit jogging ou pour traîner à la maison, c'est petit cosy chic, tu vois. Ah, alors ça, c'est jaune. Ça, c'est très jaune, ça doit exister dans d'autres couleurs. Voilà, c'est un petit legging. Ou un petit legging, ma foi, c'est pas mal pour faire le sport, tout ça. Et je suis quand même en train de me dire que ma Sim 7, elle est grave gaulée quand même. Je suis en train de me dire que... Putain, j'aimerais bien être comme ça. Ça vous va vachement bien, madame. Encore un jogging. C'est très, très... Je trouve très sportswear. Bah, après, très étudiant. Voilà, très sportif. Mais c'est pas mal parce que un niveau tenue de sport, je trouve qu'on n'est pas non plus suréquipé, quoi. Donc ça va. Bah, le petit short pour faire le sport aussi, pour encourager ton équipe. Hein. Petite jupe en jean qui va bien. Elle est sympa, je trouve. J'aime bien la forme, la découpée, les petites franges. Pas mal de couleurs sympathiques. Alors ça, clairement pas avec ce haut-là, hein, je pense pas. Mais pourquoi pas? Alors, je suis mitigée, là, sur la jupe. Pourquoi pas? Mais il faut l'associer avec quelque chose d'autre. Clairement, faudrait que je l'associe avec autre chose. Je pense qu'il y a du potentiel, mais là, ça se voit pas. Encore une petite jupe qui va bien. Un petit, de nouveau, pantalon un peu confortable ou de sport. Ah, une petite jupe écossaise ou pas, d'ailleurs. Moi, ouais, ça fait plus. C'est pour les profs, ça. Et de nouveau, un petit... Ils aiment bien les leggings, là, sur... cette extension, on est parti en mode legging sportswear. Bon, allez, on est parti sur un corps en entier. Alors ça, c'est la petite robe qu'on voit notamment sur le trailer et dans le gameplay, donc qui est sur le PNJ de qui illustre un peu le pack, dont j'ai complètement zappé le prénom d'ailleurs. Bon, c'est sympa. Alors ça, vous voyez, par exemple, j'aime moins. C'est moins mon kiff. Alors il y a des vêtements comme ça, tu sais pas. Tu sais pas si t'aimes bien ou si t'aimes pas. Eh ben là, c'en est un. Je sais pas trop. Ah, alors ça, j'adore. Ici, la petite salopette. Ça... J'adore. Ça, c'est pas mal. Ça va. Ça dépend des couleurs. Non, c'est pas mal. Ça va aller. La petite robe longue. Ah, c'est sympa. Maxi dress comme ça, toute simple. Ça, j'adore. J'aime beaucoup. La robe chemise. La robe chemise, c'est mon kiff. Je trouve ça top. Oh, mais ça aussi, c'est trop canon. Oh, mais ça, j'adore. Alors ça fait partie des vêtements que j'aime beaucoup. Ah, franchement, c'est sympa, c'est classe. Ah, alors là, je pense qu'on est sur les robes des sociétés secrètes. Ah non, c'est les robes de diplôme, c'est pas les robes des sociétés secrètes. Je dis n'importe quoi. Alors, petite robe. Bon, c'est sympa. Alors, ça aussi, c'est plutôt pour la prof. Hein, tu vois, c'est joli, par contre, j'aime bien. Non, franchement, je rigole, mais j'aime bien. J'aime beaucoup avec la petite veste, ça c'est sympathique. Et la dernière. Ah ouais. Le meilleur pour la fin. Eh, c'est ouf. Non, il y a quand même des trucs hyper sympas. Ça lui va trop bien. Ouais, non, ça, j'adore. J'aime beaucoup. C'est trop, trop canon. C'est grave la classe. Mais bon, on va quand même la laisser habiller comme ça parce que j'aime beaucoup. Du coup, on n'a pas été voir les accessoires qu'on pouvait avoir. Donc, on peut avoir... Pourquoi on a des bandages pour les gens qui font du sport? Et puis, alors, on peut pas s'être blessé les deux bras. Hein. Tu choisis, c'est droite ou gauche, madame. Hein. On a un espèce de petit cycliste. Hein. Faire du vélo ou du sport ou je ne sais quoi. Et des nouvelles chaussettes. Alors, forcément, là, elle est pas en tenue de mettre des chaussettes. Mais c'est... Oh, les petits cœurs! C'est joli, c'est des chaussettes. Avec des dessins. Bon, là non plus, on va pas lui mettre, hein, parce que voilà. Et on va aller prendre les chaussures, tiens, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, d'accord, ok. On a ça. On a les... Ah, elles sont sympas, les baskets, j'aime bien. Les petites chaussures, oui, qui est pas mal. Et, ah oui, ça, c'est celle qu'on voit dans le trailer, me semble-t-il, que les gens avaient beaucoup aimé sur Twitter. Voilà, pour la cohérence de ma tenue, moi, perso, je lui ai remis des talons parce que je trouve ça plus joli. Donc, alors, si j'ai rien oublié, il me semble qu'on a fait le tour un peu du CS pour les femmes. Je vais aller voir s'il y a un peu des nouveautés du côté des enfants et des bambins. J'ai un peu de doute. Donc, il n'y a absolument rien dans le CS pour les enfants et les bambins, du moins du côté des femmes. Mais je pense que chez les hommes, ça sera pareil. Bon, bah écoutez... On va aller voir du côté de chez ces messieurs.